Les vieux africains, ils ne savaient pas écrire, mais ils se connaissaient la nature. Ils savent comment tu deviens demain, la future. C'est pourquoi mon père a vu, moi j'étais petit, avec son analyse. Il dit, mon enfant là, il va être devenu quelqu'un avec son djembé. Je suis né cultivateur. Chasseur et famille fétiche aussi. Famille djembé. J'étais à 18 à 19. Je suis rentré dans le balèze africain. 26 ans dans le balèze africain. Et en 87, j'ai quitté dans le balèze africain. J'ai continué à jouer toujours le djembé jusqu'au devenu à 80 ans. Je continue toujours à jouer le djembé. Et finalement, je reviens cultivateur encore. Ah, djembé. Djembé, merci beaucoup pour ma vie. Je te remercie beaucoup. Je te considère tout mon cœur. Tous les enfants qui tapent le djembé, je bénis à tout le monde. Que Dieu donne la chance à tous les batteurs.